Au commencement, c'est le désir de voyager en se sentant partout chez soi qui a fait naître l'idée de la micro-roulotte iGoot. Après avoir fait l'acquisition d'un véhicule de type Spider pour leur lune de miel, Rémi Lefebvre et Sylvie L'Espérance devaient trouver la roulotte parfaite pour les accompagner dans cette aventure qui resterait imprégnée à jamais dans leur mémoire. Il fallait être imaginatif, créatif et faire preuve d'un grand sens de l'innovation afin de créer une petite perfection de 370 livres. C'est la forte demande pour leur création qui les a poussés à se partir en affaires. C'est à ce moment qu'est née la iGoot, cette petite beauté qui vous permet de ne jamais être pris au dépourvu. C'est pendant l'été 2015 qu'ils ont voyagé en compagnie de leur micro-roulotte et qu'ils ont pu analyser, comprendre et étudier leurs besoins afin de réaliser la petite roulotte la plus parfaite. La iGoot est conçue dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ses créateurs auront toujours à cœur le développement local et l'utilisation de ressources matérielles provenant de la région, l'aluminium. En compagnie de votre iGoot, vous vous sentirez partout chez vous. L'hébergement le plus léger que l'on puisse trouver sur le marché vous procurera une grande liberté d'esprit, vous permettra un retour aux sources et par-dessus tout, des road trips inoubliables. Aujourd'hui, la iGoot prend de l'expansion. Après avoir suscité l'intérêt de Radio-Canada et de 2 millions d'internautes sur le web, l'entreprise a reçu plusieurs demandes pour différents types de véhicules. C'est pourquoi il est maintenant possible de vivre une expérience unique avec votre micro-roulotte pour voiture, Spider et même pour un véhicule électrique. Cette grande aventure ne fait que commencer. Grâce à son développement, iGoot pourra maintenant réaliser ses rêves les plus fous. iGoot cherchera toujours à se dépasser et à améliorer son petit chef-d'œuvre. Tout ça afin de vous donner la chance de vivre les plus belles expériences en plein air et de satisfaire tous ceux qui ont un réel besoin d'évasion.